de ce jeu. On voit le mec qui a vraiment préparé son live de fou. Incroyable. Ah, on est reparti! Pour le jeu à la BO qui guérit tes points de vie. Oh, et Tanil, je t'attendais, incroyable. Tu es vraiment pile au bon moment. Tac. Est-ce que ma manette est bien branchée? Bah non. Bah non, elle est pas bien branchée. Et oui, j'espère que tu es content parce qu'on joue à ton jeu. J'espère que tu as passé de très bonnes fêtes. On va attendre tranquille que le jeu se charge et que ma manette se branche. What the fuck? Pourquoi ça ne branche pas ma manette? Ça va être chiant par contre. Sa manette ne se branche pas comme il faut. Vas-y, petite manette, tu peux le faire. Oui, la première, non, la deuxième. Ah merde! Et salut à toi, Sam, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Et que tu passes également une bonne soirée. Dans tous les cas, si vous allez bien, c'est cool. Si vous allez pas bien, bah j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va jouer au jeu qui va guérir nos points de vie IRL. Et ça, c'est beau. Ok, il a reconnu la manette. Let's go! On est là! On est là, on est reparti sur Outer Wilds! Incroyable, du cul! Nickel les fêtes et toi, et bah écoute, moi trop bien. C'est plutôt bien passé, on a réussi à esquiver toutes les conversations possiblement chiantes. Et ça c'est beau, ça c'était pas gagné d'ailleurs, vu ce qui se passe en ce moment. Il aurait pu se passer des trucs un peu chiants. Mais en vrai ça va. Ah c'est vrai que j'ai fait des trucs. Ah oui, c'est vrai que j'avais été sur. Oh, le fait que j'avais fait tout ça depuis la dernière fois. Incroyable. On avait fait Léviath, on avait fait. Les sablières aussi la dernière fois. Sachant que je n'ai pas. Oh, ça c'est beau par contre. Sachant que je n'ai pas joué entre temps. Ah, d'accord, donc en fait, t'as chaque planète avec son. Son truc. Ah! Oh! Lune quantique. Attends, troublant. Mais attends, mais il y a littéralement une liste des trucs à faire. Mais c'est trop bien. Je découvre ça que maintenant! Parce que je suis un sac à vin. Là, il y a un lance-sonde orbital à côté de Léviath, apparemment. Faudrait que j'y fasse un tour à l'occasion. Attends, ça tombe bien, je voulais aller à Léviath. Parce que la dernière fois, avant de crever comme une merde, je me rappelle. Avant de crever comme une merde, bah, j'avais découvert un poteau à Léviath, j'avais découvert comment atterrir sans crever. J'ai découvert qu'il y a des trucs à faire aussi. Ah bah elle est là, Léviath. Ça tombe bien, on est juste à côté de Léviath. Est-ce que je vais pas plutôt faire ça? Et pilote auto. Ouais, si, pilote auto, hein. On va pas s'emmerder. Ah purée, je suis désolé les gars, je suis vraiment en pleine digestion là. Je ressors d'un Mondor au four avec pommes de terre là, je suis. Pouf! Je suis à moitié éteint. Mais je gage que ce magnifique jeu va me rallumer. Shy le bro, comme on l'appelle. Merde, attends, non. Je suis pas censé aller sous l'eau. Je suis censé. Eh. Je suis censé trouver une île. Oh, par contre, ces ouragans. Attends. Remets-toi à droite, ouais. Ok. Ok. Ok.
Alors attends. C'est pas ce truc-là que je voulais explorer la dernière fois? Wesh! Attends, je peux pas me... Ah, nickel. Attends. En fait, ça va être très chiant. Je vais pas pouvoir le observer ce truc parce que... Ah, si, j'ai rien dit. Ok. Alors attendez, faut que je reprenne mes marques aussi. Parce que ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu, donc je suis là. T'es bien, alors je suis plus que bien, je suis rempli de fromage et d'amour. Alors du coup ça... Non, ça c'est sûrement juste pour m'aider à atterrir, ok. Oh, par contre la gravité est 10 000 fois supérieure là, j'ai l'impression d'être hyper lourd avec mon perso. Ah ouais putain, je suis vraiment un veau. Je pèse 8 tonnes. Oh non. Oh la boule est cassée, on peut pas rentrer. Atelier des statues. Ok. Bah je suis un peu triste là. Si on fait le tour. Oh! La gravité n'est qu'une illusion! Alors certes, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais ça va, je maîtrise encore 2-3 trucs. Donc là... Ah merde! Je peux passer par en dessous par contre. Ouh, oui, mais c'était juste. Ok. Ok, j'ai un peu joué avec le feu, mais ça passe. Oui. Heureusement qu'on voit pas notre perso parce que là il doit faire des trucs en mode. Quel endroit charmant. En vrai, les Viettes, moi j'aime bien. Hein. Ça me rappelle un peu. Ça me rappelle un peu la Bretagne qui est un endroit absolument charmant. Premier degré, j'aime beaucoup la Bretagne. Ok, on est à Tornadville. Merci, j'avais compris. Oh, un truc à lire. Oh. Ah, on est vachement haut en fait. J'aime pas. Oh mon dieu, il y a des trucs à lire. Ça va être bien ça. Ah, pardon. Ça va, c'est qu'un ok, j'ai cru que ça allait être pire. Waouh. Donc comme je disais, voilà, monde d'or au four, pommes de terre. Et évidemment, ce qui les accompagne, c'est l'hydromel. C'était incroyable. Alors, que nous dit l'ami? Nous devons faire un essai avec les statues mnémoniques ce soir. Phlox dit que ça pourrait être dangereux et qu'on ne peut pas venir. Mais si on ne passait pas par la porte et qu'on prenait l'autre passage à la place, qui est partant? J'aimerais beaucoup voir ça aussi, l'ami, mais nous prenons un gros risque. Il vaudrait mieux éviter. Phlox ne laissera peut-être voir un essai ultérieur. Lui s'appelle Taggett. Glock nous a précisément demandé de ne pas faire ça. De ne pas faire quoi déjà? Ah, ok, donc il y a un autre passage vers le truc des statues. Ok, yum 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 yum. Yum 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 yum. Mais alors par contre, l'autre passage, faut le trouver quoi. Là, il y a. Je sais pas s'il y a un truc à voir par là-bas. Ah, oh, putain, mais c'est vrai que je pèse un âne mort en fait. Oh, cette gravité. Ah, oh, chiante! Donc alors attends, là, t'es en train de me dire que là je peux me TP ici, genre. Avec un outil quelconque, ok. Soit. J'ai vu qu'il y avait un truc qui brille par là-bas. Moi j'adore les qui brillent. Un qui brille! Ça c'est un qui brille pas, mais c'est rigolo. Donc attends, est-ce qu'il y a pas un truc par là? Oh là là, ce labyrinthe est difficulté 1. Ah, incroyable. Et donc toi tu me dis... Bienvenue sur les Viettes, mes amis, j'ai hâte que vous rencontriez les statues. Si je ne suis pas dans ma demeure, alors je suis probablement en bas dans mon atelier, à l'intérieur de l'île. Ok. Oui, j'ai dépensé 20 milliards de carburant juste parce que j'avais la flemme de sauter par-dessus.
Oh putain, mais quand je saute à 20 cm. Ah, oh, c'est terrible. Bon, du coup, les statues mnémoniques. Mnémo, mono. Enfin, mnémo, c'est genre, voilà, la mémoire, tout ça. Donc, moi, je me dis que. Ah, les arbres, ça régène mon oxygène, nickel. Donc, je me dis que, ben, c'est les fameuses statues, comme celle qui, au début du jeu, avait ouvert son troisième œil sur moi et fait que, ben, je me rappelle. De tout ce qui se passe dans cette boucle maléfique. Ah, mais ça n'a pas l'air d'être par là. Hein. Alors attends, ça fait combien de temps que je live? Ça fait 10 minutes. Ok, et bah nickel, je suis déjà perdu. Let's go. Vas-y, je vais tester de. Regardez par là, il y a quoi ici? Mais putain, je peux même pas sauter par-dessus ça tellement je suis gros et lourd. Mais attendez, je suis coincé dans cette maison. Oh, what the fuck? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait un truc qu'il fallait pas, je suis sûr. Quoi? Quoi? Non, oui, peut-être. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? What? Attends, non, je veux refaire le truc là. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui vient de se passer? Putain, il y a un ouragan qui arrive. J'ai pas envie d'être là. Ah, tu vas me tomber dessus, le saligo. Il fait un passage au-dessus. Non, j'ai perché. Par contre, toi, je te retiens, toi, truc mystérieux. Tout va bien. Non, tout va pas bien. J'ai peur. Ok, donc là, c'est par là où je suis arrivé. Ok, en gros là j'ai juste fait le tour. Ok, très bien. Très bien. Donc apparemment, il y aurait quelque part un passage caché qui mène à l'atelier. Par contre, maintenant pour trouver des passages secrets. Ça va être marrant tout ça. Oh putain, c'est vrai. Il y a des trucs anti-gravité. Mais il n'y a pas de passage là-bas. On est d'accord que là je peux pas passer à travers. Hein. Apparemment pas. Par contre, je sais pas pourquoi ce truc s'est mis à briller et à faire des carabistouilles. Ah si, je peux quand même sauter là. Ça c'est nickel. Donc attends, ça par exemple, là ça fait rien. Ces trucs. Apparemment pas. Non, je peux. Y a rien à traduire. I don't know. Y a un truc par là. Ah, mais je suis revenu au début. Let's go. Très heureux. Peut-être que c'était pas par là. Hein. Peut-être que. Oh. Oh. Oh, ça a l'air sympa ce qu'il y a là-bas. Ah, et donc je pense que c'est là le truc où. Comment dire? Enfin, genre, c'est par là qu'il rentrait. En mode le passage secret. Mais du coup, il est cassé. Du coup, moi, ça me va pas. Je me casse par là-bas. C'est pas grave si je tombe dans l'eau? Apparemment pas. Ah, bah déjà, je pèse moins lourd dans l'eau. Excellent. Oh, cool. Non, mais par contre, ça va, laisse-moi sortir, genre. Merci. Ok. Je vais tester d'explorer l'autre île qui est à côté, là. Il y a un gros truc qui brille. Moi, je vous ai dit, j'adore les qui brillent. Oh putain.
Ça va être compliqué là, hein, les gars. Alors, où est-ce que je peux atterrir sur ce truc? Dommage. Bon, c'est juste les trains d'atterrissage. C'est pas très grave. Allez, laissez-moi sortir. Au secours, je suis coincé! Ok, ça va être chiant par contre. Ok, là! Une sortie! Oui! Oui! Il s'en sort! Notre héros s'en sort. Ah, ça par contre, c'est dommage. Je crois que j'ai vraiment cassé ma fusée. Oh, mais je l'ai cassé au meilleur endroit. Tout est calculé. Merde, non, 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 non. Y a pas de réparation que je peux faire à l'intérieur, non. C'est jamais. Ok. Là, c'est bon, ma fusée comme neuve. Ah! Ah, il y a la coque arrière apparemment qui est un peu endommagée aussi. Voilà! Ok! Et donc là, est-ce que je peux me balader pour aller à l'autre bout de cette grosse racine? Oh merde! Putain, pourquoi moi? Pourquoi moi? Faut vite que je vise de l'eau. Ok. C'est extrêmement désagréable. Vraiment un endroit charmant, Léviathan. Je vous jure, je suis pas bien de fou. Genre là, je suis là, je rigole, j'ai mon petit bonnet Mokona, mais en vrai, je suis extrêmement mal à l'aise. Ok, est-ce que je vais pouvoir... Non! Est-ce que je vais pouvoir continuer mon exploration de la racine du cul? Oh mais bordel! Je vais y arriver! Ok. On est dans la place. Putain, ok, bon, j'ai l'impression que c'est pas par là parce que là ça va être chiant. C'est quoi ça? Attends, il y a des arbres? Ah oui, ok, ils sont là, mais je peux pas passer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, mais... C'est quoi? C'est une bulle, genre? Matière fantôme. Eh merde. Attends. Mode photo activé. En gros, en prenant des photos, je peux voir la matière fantôme, mais il n'y en a pas. Ok. Ah, elle va être là, évidemment. Ah, bah, ce serait trop facile pour explorer mon petit truc. Oula, attends, faut que je me casse là. Ok, donc là, au bout de ce tunnel, je peux pas aller. Par contre, je peux aller là. Normalement. Ok. Oh, les bâtards. C'est quoi ça? On dirait que ça bouge. Mais attendez, mais y a aucun intérêt à ce que je sois là. C'est un tunnel sans fond, genre. Alors par contre, ça bouge et moi, quand il y a un truc qui bouge, j'aime pas, en fait. Ok. C'est en se perdant qu'on trouve beaucoup de choses dans ce jeu. Ah bah parfait. Je suis un expert moi pour me perdre. Ouais ok non, là je peux pas aller parce qu'il y a de la matière fantôme et que ça va me tuer. En gros la matière fantôme c'est que t'avances dessus et là tu meurs. Oh attends! Le passage s'est libéré? Non j'ai perché.
Ah, attends, par contre. C'est bizarre, ça brille, il y a une petite lueur bleue là. C'est comme s'il y a un truc qui glissait. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Ah, mais depuis tout à l'heure, je me chie dessus. Hein. Je suis dans une planète avec de l'eau partout, des ouragans et très peu d'amour. Ah, là, il y a un truc. Non? Attends, il y a une autre lueur. C'est un truc de zinzin. Oh! Voilà la lueur. C'était ça. C'est pas la pire. Ouais. Mais du coup, là, ça sert à. À quoi que ça? Enfin, c'est sympa, mais. Ah oui, son bronze, oui, alors celle-là je l'ai faite, mais je l'ai faite hors live, genre. C'était pas très sympa, son bronze, oui, en effet. En effet, peut-être que je la referai après. Non, par contre, c'est chelou ce caillou. C'est juste un caillou qui tourne avec un truc de gravité. Mais en fait, juste, il sert à rien, parce que je peux pas. Enfin, je peux pas, genre. Courir contre les murs et en mode YOLO, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Ah mais attends, en fait, fallait juste être patient. Mon Dieu, mais mon point faible. Ah, et donc là, le passage se dégage. Eh oui, Jamy. Qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Non, non, pas la gravité. Qu'est-ce que c'est que ce rocher mouvant chiant qui m'empêche l'accès au bonheur? What the fuck? Le jeu joue tout seul là! Non mais grave! Oh oh! Oh non putain! En fait depuis tout à l'heure le jeu me laisse parler et Oh non je suis. Attends, faut que j'essaie de me mettre. Ah ouais non en effet c'est compliqué là je crois. Mais c'est trop chiant genre en fait d'explorer ici! En fait tu te prends un ouragan et Et j'ai wellplay, tu meurs, genre. Putain, mais attends. Parce que. Je me rappelle la fois d'avant où je t'allais voir Johnny, là, qui était dans son hamac. Ça avait pas posé souci que je me prenne un ouragan et que ça lève la terre et que machin. Je ne comprends pas. Pourquoi là, ça m'a tué alors que la fois avec Johnny, je m'étais pris la même chose, j'étais resté dans un tunnel et j'avais pas eu de soucis. Pas de chance. C'est pas toujours mental, pas de chance. Ah ok, bon bah ça me rassure. Ça me rassure, ça me rassure. Vas-y, tu sais quoi? C'est ce que j'ai envie d'explorer. J'ai envie d'explorer. Si j'arrive à la trouver, bah déjà la lune quantique. C'est pas ça, non, ça c'est la lune normale. Oui, c'est la lune normale ça. Oh, j'ai trop cru. J'ai trop cru que c'est la lune quantique, mais non, c'est la lune normale. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais explorer, c'était. Ah, je voulais explorer ça là, le petit truc de lave. La lanterne. J'ai vite fait voir ce qu'il y a dessus. Mais par contre, ça va être chiant parce que je. Enfin, en fait, c'est juste plein de feu, cette merde. Faut réussir à atterrir dans un petit coin. Qui ne brûle pas, quoi. Ça m'a l'air compliqué, hein. Ah, mais en... non, mais attends, en plus, ça crache du feu. Ah ouais, bah en fait non. How about no? Attends. Ah non, là-dedans non plus, c'est full feu. Y'en a pas un qui est éteint là? Ouah, gravité, non, non, toi je te déteste. Je ne veux plus te voir. Bisous, gravité. Tu ne me manqueras pas.
Je vais tester l'intrus, du coup. Parce que là, c'est quoi, du coup? Ça, c'est son bronze, ça, non? Il me semble. Alors, la question, c'est est-ce que je vous fais le jumpscare tout de suite ou est-ce que j'attends un peu, quoi? Ah, je me dis qu'il faudra bien retourner, malheureusement. Ah ouais, son bronze, aka le jumpscare du jeu. Non mais oui, c'est évident que je vais y retourner un de ces quatre, et je vais vous offrir le jumpscare que j'ai eu également, c'est promis.